Aujourd'hui, nous allons parler de vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Elodie. Jouer avec les autres et surtout pas se disputer. Okay. Esther. Ne pas se moquer des autres, surtout quand c'est un handicapé, parce que la vie est déjà très difficile pour lui. Ok, Mounia. Mais si on fait une dispute, on peut se repardonner. Et Adèle. Elle avait l'air vraiment énervée. Heureusement qu'après, elle a dit gentiment. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Ah, je vois que c'est bientôt la Coupe du Monde, vous avez sorti vos maillots. Je suis pour le Portugal parce qu'ils sont les meilleurs. Pourquoi tu es pour l'Espagne? Parce qu'ils sont les plus forts. Pourquoi tu es pour l'Angleterre? Parce que j'aime bien leur culture. Regarde, il y a les meilleurs élèves de la classe. On pourrait tout le temps les recopier et rien faire. Cool, top 5. Nous, on aime bien étudier, mais on n'aime pas faire les exercices. S'ils croient qu'on va faire leur travail à leur place, ils se trompent. Travaillez les enfants. Qu'est-ce que vous faites? On travaille, et même on a fini. Ils attendent que l'autre travaille. Pourquoi vous n'en avez pas discuté avant? Bonjour. Bonjour. Depuis quelque temps, Adèle ne veut plus parler en français. Peut-être qu'elle veut parler un peu de sa langue. Égal. Elle vient de dire oui. La dernière fois, elle avait dit deux phrases qu'on n'avait pas compris. Je vais lui demander de la redire comme ça, je pourrai la traduire. S'il te plaît, tu peux nous redire la phrase que tu avais dit au professeur? Elle vient de dire que vivre ensemble, c'est avoir des amis et ne pas se disputer entre elles. Ah, finalement, ce n'était pas si méchant. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai appelé l'informaticien pour nous donner une machine pour traduire sa langue. Tiens, les voilà. Bonjour, bonjour. J'ai inventé le traducteur universel. Je l'ai construit avec mon assistant. Super, vous pourrez le tester avec mon élève Adèle. Ok, dites quelque chose. Oudayo. C'est trop cool. Ça a marché. Youpi. Youpi. Évidemment, c'est super, c'est moi qui l'ai inventé. Vivre ensemble, c'est aussi comprendre l'autre. Écouter. Et dialoguer. Pour mieux se respecter. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefaisatelier.be.